Salut tout le monde, c'est Vergouin, on se retrouve pour l'épisode 8 de Rogue Legacy où on va vraiment essayer cette fois-ci, donc là déjà récupérer des pièces, en même temps essayer de trouver des bons personnages là au début déjà, et aussi essayer de tuer le boss, ou au moins de s'entraîner à le tuer, pas trop non plus déjà, parce que sinon en plus ça pourrait vous ennuyer aussi d'ailleurs. Donc on va essayer de s'entraîner un petit peu et de varier un petit peu avec en plus la récolte de pièces et de tuer des monstres aussi pour explorer des salles. Donc voilà, on est parti pour la vidéo. Voilà, et moi je me mets un petit timer, donc bon, vous entendez peut-être le bruit. Mais du coup voilà, je me mets un petit timer, sinon je ferai peut-être une vidéo trop longue, hein, j'ai pas forcément trop de temps là. Donc alors, Damrin, Paladin, vous êtes si mince que vous voulez à chaque coup que vous prenez. Non, non vraiment, c'est pas ce qu'il nous faut. On voit pas en 3D. Mais non, mais vraiment. Et classe pas votre héroïne de base, bonne dans tous les domaines. Ouais, bonne dans tous les domaines, mais elle est si mince qu'elle vole à chaque coup et elle voit pas en 3D. Ok, lance un poignard, ok. Un puissant jeteur de sorts, chaque victime vous offre de la mana. Ah, ça c'est cool. Quelle énergie, vous déplacez plus vite. Envoie des faux qui s'envolent au-dessus. Ok, pas mal. Ça c'est le même truc d'attaque spéciale. Enfin, de sort. Un héros audacieux, statistique faible, mais qui peut en infliger des attaques critiques dévastatrices. Maladie artérielle périphérique, absence de poule dans le pied, vous êtes folle. Bon alors, je pense qu'on va préférer celui-là. Le mage Sir Lee 3. Donc là, 84 pièces, on peut rien améliorer. Ouais, y'a rien. Donc, toi, est-ce que ça veut dire quelque chose dès qu'il a un point d'exclamation? C'est juste, ouais, j'ai des... Ah, voilà, j'ai juste qu'il a des nouveaux trucs à nous vendre. Et bon, y'a pas grand-chose qui nous intéresse. Donc, alors, ah, oui. Ne pas oublier l'architecte, parce que je sais même plus si on a toujours... Si on a toujours la salle du boss qui est sauvegardée ou pas. Sachant que ça fait pas mal de temps que je n'y suis pas allé non plus. Hop, sachant que du coup j'ai dû faire mon petit voyage à Londres. Donc je suis revenu et puis je vais d'ailleurs vous montrer alors, oh la salle du boss. Je vais d'ailleurs vous montrer normalement une vidéo sur Londres, un petit vlog. Je vais tourner sans, enfin juste une vidéo de Londres ou quoi. Normalement je ne parle pas dans la vidéo, donc voilà. Parce que j'avais pas préparé de vidéo où je parlais. Et du coup vous aurez une petite vidéo comme ça pas dans très peu de temps. Je sais pas dans combien de temps exactement, ça dépendra. Mais là en tout cas je me suis prévu un peu de temps pour à me laisser en même temps par rapport aux vidéos et tout. Pour voilà, donc par mon planning je fais pas exactement une que je tourne par jour. Parce que du coup je trouve ça trop serré pour merde, putain je vais merde. Pour que ce soit tenable et que ce soit pour moi mieux en termes de créativité. Bon, du coup, gigantisme. Vous avez tendance à exagérer. Putain, ils mettent en majuscule. Puissant, je veux dire, sur chaque sort, chaque victime. Ok. Vous souvenez des choses avec beaucoup de précision. Je pense que ça va faire le truc de souvenir des choses. Puissante jeteuse de sort, chaque victime. Vous êtes né pour faire du basketball, envoie un chakram qui revient vers vous. Alors là, invoque une grande lame. C'est peut-être mieux la grande lame. Descends et se téléporte jusqu'à votre ombre. Ah, je sais pas comment gérer ce truc. On va peut-être le prendre. Oh, c'est si faible. C'est si mince que vous voulez à chaque coup. C'est pareil, vous avez peur des boulets. Ok. C'est. Ok, par rapport à l'ombre. Donc bon. Alors, on fonce. Et si j'ai... Bon, déjà c'est eux. Ah ok. On pose une ombre à un endroit. Et après on peut réapparaître là-bas. Tac. C'est un point de secours en fait. Et tiens, combien de temps? Par exemple là c'est de la pause. Ah ouais, ok, non j'ai voulu me téléporter sans doute. Je vais faire des actions. J'arrive dessus, ça me téléporte pas. Ok, et là. Apparemment elle dure longtemps. Ouais, elle dure très longtemps. Peut-être qu'elle est infinie, je sais pas, mais elle dure très longtemps en tout cas. Donc ça c'est un point. Oh, j'ai oublié l'architecte. C'est un point positif. J'ai encore oublié l'architecte.
double. Ok, bon bah là on va explorer pour avoir la masse de salle. Moi qui voulais attaquer le monstre. Bon, on va pas pouvoir, donc là voilà. C'est par ça. Ok. Voilà, on est. Ok. Et. Ah, nickel. Ok, c'est dès qu'on est distant que l'ombre va pas pouvoir se remettre. Ok. C'est dès qu'on change de. Non, ok, ça doit être dès. Voilà, c'est dès qu'on change de salle. Oh, putain. Putain, ouais, merde. Ok. Je me suis foiré. Bon, en tout cas, c'est dès qu'on change de salle, du coup, que ça nous fait l'effet. Donc on vend un chakra. Vous aimez les femmes. Très homosexualité. Ah, c'est une femme. Ok. Un cher sur pattes, stéroïne et dur à cuire. Cri barbare. En spécial. Vous êtes fou, ok. Il n'y a pas trop de trucs intéressants. Cher sur pattes, dur à cuire, cri barbare. Bon conducteur d'électricité. Non. Non, non, non. Lance une hache géante en arc. Fiche tous les ennemis à l'écran. Puissant jeteur de sort. Vous êtes gonflé à bloc. Repousse les ennemis encore plus loin. Bon, c'est pas grave qu'on voit pas en 3D en soi. De base, le jeu est en 2D. Donc, en soi... Ah, quoique, ça change un petit truc quand même. Bon, on va re-sauvegarder. Il faut absolument sauvegarder à chaque fois. Parce que là, on oublie sinon... Mais en vrai, ça va répéter le même schéma si on sauvegarde pas. À chaque fois, je perds le truc dès que je l'ai trouvé. Et je devrais le retrouver avec des armes en plus, du coup. Mais du coup, le retrouver. Ah, ok, c'est ça ce qu'ils veulent dire. Dès qu'ils tournent, surtout. C'est figer les ennemis à l'écran là. Oh, mais. Oh, dès qu'ils tournent, du coup, on les voit mal. Vas-y, je descends. Bah, du coup, je pars là. Hop, là. Merde. Faut que je fasse gaffe. Tac. Ok. Ok. Et merde. Ne pas sauter. What? Comment on fait pour ne pas sauter pour y arriver? Putain. C'est trop galère ça. Tu arrives là-bas sans sauter. Ah non. Mais non, il n'y a pas d'ennemi en fait. C'est pour ça que j'ai des gens hostiles de map où ça peut être l'ennemi. Voilà. Où ça peut être l'ennemi qui va débloquer genre la capacité où dès qu'on se fait taper, on se fait éjecter. Mais bah en fait il n'y a pas de mob. Donc je sais pas comment ça pourrait le faire. Ok, on va faire le feu. Je vais pas rester trop longtemps non plus à chercher les persos. Donc hop, capacité du personnage. Ah oui, c'était ça. Ça c'est pratique. Là on va explorer une autre salle du coup. On va pouvoir trouver les salles en vrai. Et à la fin je vais pouvoir recombattre le boss normalement, j'espère. Sinon ça sera dans le prochain épisode où je pourrai le recombattre. Et je vais faire gaffe à ne pas oublier de sauvegarder l'architecte. Ok. Donc voilà. On a là-bas en bas. Ok. Ici. Voilà, par là. On n'y est pas allé. Si, en fait, on y est allé, mais on... Ok. Ça doit être là qu'on n'est pas allé. Voilà, c'est ici. Ok. Et merde, c'est un faux tableau. Moi aussi. Ok. Ok. Et... Ok, putain, ils m'attaquent tous. Oh, et je suis mort. Putain, je meurs assez rapidement sur Andak 2. En vrai, on va voir... Non, il y a... Ah, mais non, les noms varient assez. Je pense... Ah, fils tous les ennemis, nickel. Je m'en fous de... En vrai, même s'il a des défauts, d'autres défauts, le mec qui fige les ennemis à l'écran, c'est celui que je préfère pour le boss, en tout cas. Parce que, comme on a pu le voir, je crois, dans l'épisode 4, peut-être, ou dans un... Il n'y a pas beaucoup de temps. Ou il y a beaucoup de temps, je sais plus, en vrai. Dans un épisode où j'ai voulu affronter le boss, figer les ennemis à l'écran, c'est bien plus efficace que le reste. Voilà. C'est pas forcément étrangement, puisque c'est pas étrange en soi, mais du coup, c'est bien plus efficace. Ok. Ouais, nickel. Et merde. Là, du coup. Ok. Allez, tu meurs. Voilà. Voilà, nickel. Voilà, comme ça, on prend des pièces en même temps. On est à 24. 24 pièces. En vrai, le truc de. Merde. J'ai oublié. En vrai, le truc de. De régène la.
Enfin, de changer de château, ça peut être utile, mais juste si t'as envie de farm les objets, lance des poignards. Enfin, si t'as envie de farm les pièces. Donc, lance les poignards. Ah, lui, bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas le pire, quoi, en fait. Donc, ça va. Bon, niveau 9. Quel niveau je vais réussir à monter avant de pouvoir tuer le premier boss? C'est quand même ça qu'il faut se demander. Ça va être un display hyper long juste pour essayer de vaincre 2-3 boss. Mais en vrai, du coup, il y a quand même le truc de recherche d'items avec l'or et tout, amélioration et tout. Donc, bon, c'est quand même plutôt cool ça. Ok, alors là, toi, voilà, comme ça, hop, et voilà. Ici, et merde, il s'adapte vraiment rapidement. Ok, voilà. Et voilà, tu es mort. Ok, j'en fais un à la fois en fait. Merde. Non, 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 c'est bon, non, t'es trop lent, voilà. Tu n'es pas. Tu ne t'as fait. Putain, mais vraiment, c'est trop. C'est. Il est pas. Ouais, non, ici, il faut trouver celui qui ralentit la porte. On n'a pas un ici, parmi vous. La hache, on a les poignards. Oh, et il faut que j'attaque avec l'attaque spéciale. J'y pense pas du tout. Bon, là, il voit pas trop loin. Ok. L'architecte. Mais du coup, s'il voit pas trop loin, c'est pas grave parce que on peut quand même. Bon, ça va, le rayon est assez bon quand même. Et puis, si on tombe sur le boss, la salle n'est pas si grande que ça. C'est vrai qu'avec les autres monstres, c'est un peu chiant. Mais bon, soit c'est pas grave. Voilà. On prend les pièces. En vrai, il y a des pièces au tout début, à chaque fois, il y en a qui se passent là. Hop. Et on descend pour retourner là-bas. Voilà. Hop. Voilà. En vrai, je peux peut-être passer. Ah merde. Je vais pas passer par en bas. Oh yes. J'ai aussi enchaîné. Trop fier de moi. J'ai aussi enchaîné les coups. Ok. Ok. Et là. Merde. Yes, je l'ai eu. Yes. Et lui, là. Merde, je l'ai pas eu. Là. Oh putain. Putain, je l'ai pas eu. Yes. Nickel, yay. Ah mais ouais, du coup il y avait pas d'autre salle ici. On s'en foutait en soi d'aller là. Et il y a pas moyen de sauter là dessus. Parce que du coup. Ah si, je peux l'avoir. C'est à ma portée, même là. Ouais, de justesse, mais on l'a quand même. Voilà. Ok, bon. Les salles, on a des salles. Bon, j'ai pas tout exploré en bas. Ok, on va sauter. Et voilà. Putain, j'arrive mieux à le gérer. J'arrive beaucoup mieux à le gérer. C'est tellement cool. Est-ce que t'es un vrai? Ouais, t'es un vrai. Bon, par contre, j'ai pas envie de me faire tuer par un petit zombie. Ok. Bon, ça c'est une salle qui nous montre. En fait, j'en ai bien que je sois l'aîné, je ne suis pas l'enfant préféré de mon père. J'ai toujours su qu'il ne me laisserait rien. Mais si je trouve le remède, tout sera différent. À sa mort, le vainqueur ne remportera pas moins que le trône. Quand j'accéderai au sommet, ma femme et mes enfants retrouveront les quartiers royaux, la cité royale où nous serons de nouveau traités avec le respect que nous méritons. Nous n'aurons plus à subir les calomnies et les attaques mesquines de mes cousins. Les autres ducs devront s'incliner devant notre passage. Mais bon, je m'entends. Donc là, c'est un mec qui veut devenir roi, apparemment. Je dois rester concentré sur mes priorités, conquérir le château, trouver le remède, récupérer ma récompense. Bon, alors, je sais pas trop qu'est-ce qu'il voulait ce chevalier, du coup, là. Mais, peut-être que c'est l'un de nos princes, là, qui est en train de combattre. Ok. Ok. Non, putain, ouais. C'est trop galère à gérer, ça. Beaucoup trop galère. Il faut gérer le jump avec. Ça, bah, c'est galère. Oh. Est-ce que... Oui, non, on a des pics même avec le... Bon, ok, c'est pas grave. Mais on a des pics quand même avec ça. Il met des points d'interrogation dès qu'il passe. mais du coup, on a quand même des pics.
qui nous font mal dès que... Enfin, les mobs en soi, même immobiles, ils nous font mal dès qu'on s'approche d'eux. Si on arrête le temps. Donc, bon, c'est pas grave. Les MP, je crois que c'est un truc 65 en haut. Qui va peut-être descendre d'ailleurs dès que j'utiliserai la capacité. Voilà. Merde, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est en bas, voilà. Parce que du coup, après je vais en haut, ouais. Mais là, on va en bas. Voilà. Nickel. Bon, okay, j'aurais peut-être pas dû m'approcher un peu. Voilà. Oh non! Putain, j'ai pas réussi à l'avoir. Je pensais que ça suffirait avec deux, mais non. Il lui fallait trois coups. Alors. Cette attaque. Lance une nage géante. Voilà. C'est pas mal. Par contre, pourquoi... Attends, est-ce que c'est une vraie... Bon, je vais pas oublier l'architecte. Est-ce que c'est une vraie fille? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a juste mis un pompon sur la tête? Ça fait bizarre. Parce qu'il y a la barbe avec. C'est une fille barbue. Je vais pas regarder en vrai les caractéristiques sur ça. Donc, je sais pas. Bon, du coup. Alors. Voilà, on avance. On détruit tout. Le mec qui vient, il respecte rien. Bon, en vrai, c'est mon château. Donc, je m'en fous. Voilà. Ok. Allez. Non, ouais, non. Ok. Oh putain, ouais. Ok. Non, mais ouais, lui, il veut vraiment chercher la bagarre. Fonce sur toi. Ok. Ok, nickel. Je l'ai eu. Voilà, j'ai réussi à le gérer. Ok. Toi, t'es chiant, ouais. Ok, on passe par là. Mais merde, ok. On va foncer à droite. On fonce à droite parce que l'autre truc à gauche, c'est galère. Donc, voilà, faut foncer à droite. Hop, c'est quoi ça? Descend et... Ah oui, c'est vrai. Ça peut être utile en vrai, mais je sais pas trop le gérer pour le moment. Ça, je sais pas encore le gérer. Ah ouais, ouais, c'est par rapport à la salle où on est exactement. C'est ça. Pour la téléportation. Donc... Il faut faire gaffe à ne pas changer de salle. Et ah oui, dès qu'on change de salle. Ah ok. Ouais, du coup, dès qu'on change de salle, c'est mieux le passage entre les deux salles. Comme je fais pour. Bah, pour faire en sorte que les ennemis soient figés. Enfin, non, ils reviennent à leur position d'avant. Bon, là, on reste pas le faire avec celle-là, c'est juste qu'ils reviennent à leur position d'avant. Mais sinon, en soi, c'est le même principe. Ok. 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 Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Oh putain. Ok. Putain. C'est bon, je peux. Ah mais non, ça sert à rien de passer. Ah putain, yes. Ça sert à rien de passer par là. Ah putain. Je meurs là. Bon. Au moins on a découvert des nouvelles salles. Les ténèbres sont toujours en bas du château. Ah, c'est un bon conseil. ouais, la faux qui est pas mal. Ok. Alors. Donc. Voilà. En tout cas, tout ce que je sais pour le moment, c'est que le meilleur mec pour affronter le boss, en tout cas, c'est le mec qui fiche le temps. Pour le moment. Parce que j'ai pu tester. Pour moi donc en gros on aura normalement on sera quasi, il faudra trouver le pont. Ah, 60, ok, il nous faut, je sais pas combien, mais du coup on va fermer l'or ici. Ok, vas-y, allez bim, les deux. Voilà, c'était, je me suis bien placé parce que sinon sinon il allait m'attaquer dans le sol en fait. Voilà. Voilà. Voilà, nickel. Voilà. Ok. Ok. Oh putain, ça fonctionne comme ça. Ok. Nickel. Voilà. Donc 168. On passe ça. 60 d'or.
Voilà, et on reprend. Merde, faut faire gaffe. C'est quelle. Ok. Ok, ça envoie ça. Merde, est-ce que. C'est ici, oui. Là. Ouais, il n'y a pas. Ok, oui, j'ai réussi à passer. Oh putain, non. Bah, on passe en dessous. Ouais. Ok. On a plusieurs salles débloquées. Non, là, oh putain, j'ai eu peur. Vraiment. J'ai plus la capacité d'invoquer mon attaque. Ok, je peux plus l'invoquer. Et là, bon, il me faut des pièces de 140. Voilà. Il faut un max. Ok. Alors, le boulet. Fais gaffe. Voilà. Le tonneau. Ensuite. Putain. 240. C'est bon. C'est raisonnable. Ok, c'est la même salle. C'est la même salle, mais en. C'est une grande salle en fait. Qu'est-ce que je fous? Je sais pas. J'ai découvert. Poitrine du chevalier. Ok. Non, bon, je suis mort avec 240. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter? Je vais voir. Avec 240, on peut s'acheter des bons trucs quand même. Alors, pour après, vu que là, du coup, on va faire la fin. Hop, voilà. Et là, on a moyen. L'enchantresse. Et accéder à ses runes et pouvoirs magiques. On n'a pas celui-là aussi? Attaque plus. Et celui-là, il en fallait 490. Moi, perso, je débloque l'enchantresse. Et là, on n'a plus assez de sous pour le reste. Et du coup, là, un truc à 400 pour amélioration mage. Dégâts magiques en plus à 200. Et là, du coup, on n'a rien. On n'a pas assez. Dans son shop à lui... Oh, putain. Ah, oh, ouais. On verra ce qu'elle propose après, dans le prochain épisode, du coup. Non. Non, 305. Ah, il y en a un nouveau. 525. Et là, bon, il n'y en a pas en plus. Ok. Bon, d'accord. Bon, bah voilà. Bon, je suis un peu flou. Je vais m'écarter comme ça. Vous voyez au moins un personnage qui est correct. Donc, voilà, celui-là. Voilà, à la limite, je mets les boules de feu. On me voit un peu mieux. Ah, on peut monter au-dessus. Ok. Bon, bah voilà, du coup, c'est la fin de la vidéo. Donc, bah voilà, bah en vrai, je fais tab. Ouais. Tab. Voilà. Et, ah non, bon, ok, je sais pas comment arriver au web. Donc, en gros, voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, puis je préfère être là, comme ça c'est moins flou. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. À vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Dargo. Tchuss!